Allez, bonsoir à tous, salut tout le monde, bienvenue à Zurich, il est 22h57 au moment où on se parle et nous sommes donc en porte Echo 23. Donc on est connecté en tant que guest à la porte de Zurich. Je vous explique un petit peu ce qui s'est passé avant de rentrer dans le vif du sujet de notre vol. Alors on a fait un premier vol donc avec la Swissair, malheureusement ça s'est pas si bien passé que ça parce qu'ils sont très exigeants et c'est dommage pour une compagnie. Bon, ça fait un peu du tri, mais c'est dommage parce que étant quelqu'un de motivé, je trouve ça un poil dommage d'avoir des responsables qui choisissent en fonction de la qualité des pilotes, etc., etc., qui choisissent qui sont les bons pilotes et qui ne le sont pas. Donc voilà, je trouve ça juste un poil dommage pour la Swissair. C'est dommage parce que on peut avoir beaucoup de choses. Et malheureusement, on n'a pas ces choses-là. Donc je trouve ça bien entendu dommage d'avoir affaire à ce genre de situation. Mais bon, c'est voilà, c'est comme ça, malheureusement. On peut pas tout avoir dans la vie. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je trouve ça bien entendu dommage voilà, que des gens décident en fonction de la qualité de pilotage et des uns et des autres. Voilà, bon, ça fait partie de l'aéronautique, mais bon, l'aéronautique a quand même bon dos sur certaines choses. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, voilà. Je suis un peu déçu parce que en soi, je m'attendais pas à ça. Et en soi, pilotant très bien et n'ayant pas de soucis avec Aswissair, je trouve ça un poil dommage. D'avoir été mis de côté comme ça et de me prendre d'ailleurs une suspension directement chez la Swissair. Vous allez me dire, oui, mais est-ce que tu as eu un comportement de irresponsable? Non, non, en fait, bon, je sais pas comment ils font, mais voilà, c'est des comportements où en fait, si vous voulez, eux me disaient, oui, mais pourquoi tu passes pas par l'OFP? Bah, c'est pas une question de passer par l'OFP, c'est une question du fait que si vous voulez, sur Fuel Planner, on avait automatiquement un résultat où en fait voilà on n'avait pas à se plaindre en soi, mais ce que j'ai trouvé juste dommage, c'est leur attitude. C'est voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont vraiment déçu, et voilà, bon, bien que j'ai fait des événements avec eux, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, d'avoir affaire à ça, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, faut avancer. Donc voilà, donc bon, là aujourd'hui je pars donc avec le call sign de la British Airways pour donc ce vol à destination donc de Cape Town. Donc voilà, donc je suis en train de préparer de mon côté tout ce qui est à préparer, et puis bah on va y aller tranquillement. Ça y est, tout est prêt. Ouais, et bien on est prêt. Tac tac, je vais mettre la CARS. Donc voilà, voilà ce que j'avais à vous dire. Je trouve ça un tout petit peu dommage d'avoir affaire à ce genre de situation. Mais encore une fois, vous inquiétez pas, je les ai pas insultés, il n'y a pas eu de manque de respect, vous inquiétez pas, parce qu'après il y en a qui vont tirer la bourre. En fait, bon, c'est suite à mon landing rate. Oui, d'accord, ok, j'ai fait un hard landing. Ok, d'accord. Quand on a dit ça, je veux dire, le minimum c'est de participer. Bon, c'est bien, ils m'ont encore laissé l'accès, c'est bien, mais voilà, je trouve ça juste foncièrement dommage. Et pourtant, voilà, je suis pas obligé de faire les events, mais voilà, comme je vous l'ai dit, vous aurez pas tous les événements de filmer, malheureusement, vous aurez celui-là, qui celui-là, pour moi, était très important de vous le diffuser. Donc voilà, voilà ce que j'avais à vous dire sur cet événement ce soir. Mais bon, voilà, donc bon, bah, c'est pas de chance, c'est comme ça. Donc on vole à nouveau pour la British Airways. On a fait l'essai, voilà, pour cet essai. C'est un peu dommage. Donc j'espère qu'ils sauront agir et vite, parce que je trouve ça un peu dommage. Et on va contacter tout de suite la delivery 521 925. Clear to Cape Town by the VB3 November departure, runway 32, climb 5000, this please, squawk 6706, Swiss 43 Foxtrot Whiskey. Swiss 43 Foxtrot Whiskey, read back is correct, report ready, full pressure start. Report ready, push and start, Swiss 43 Foxtrot Whiskey.
Zurich Delivery, hello, good evening, Sam. Speedbird 1787, Stanley 23, Boeing 777-300, request a frequency to Cape Town. Speedbird 1787, Director, good evening. You are cleared to Cape Town as piled, runway 32, Fabit 3 November departure. Initial climb altitude 5,000 feet, Hawk 6703. Alors. Tac. Tac. Ok, we are clear to Cape Town via VBET 3 departure on May 32 second 5000 squawk 6037. Speedbird 1787 squawk 6703. 6703. Okay, Squawk 6703 on the blocks, Speedbird 1787. Speedbird 1787, read back is correct, report ready for push and start. And we call you when ready for push and start for Speedbird 1787. Hello. Speedbird 345, ready for push and start. Singapore 345, stand by 1 minute. Ok, weather data, clac, clac. And Singapore 345, push and start approved, face east. Push start approved, face east. Push and start approved, face east. Mi perf. Sorry about that, Singapore 345. Alors là, on a FSX qui ne répond plus. Voilà, ça y est. Donc je vérifie ma VNAV. D'accord. Encore on est Mac 80. Oui, oui. Donc ça, au niveau du fuel, on a dit 2, 3, 9, 0, 77 pounds. 2, 3, 9, 0, 12. Alors on va faire 2, 4, 0, 0, 77. Voilà. Ok. Et on va se débrancher. Donc on va juste enclencher Black Box Flight Logger. Comme ça vous pourrez retrouver donc la CARS sur le serveur et vous pourrez le retrouver en replay. Et donc là on va partir de notre porte, on est à l'heure, on est pile poil dans les cales et à l'heure, ce qui est parfait pour un vol de nuit et une arrivée demain matin sur Cape Town. L'artillo. Ok, et on va pouvoir hop, on s'enlever, voilà, et on va pouvoir y aller. Delivery, Speedbird 1787, standing at 23, request push and start. Speedbird 1787, push and start approved, face east. Up. 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 Hey, pushing back, facing east, Speedbird 1787, thank you. Je vais demander les vents. Load. Exécuter. Ok.
Donc c'est des vents d'ouest. Ouais, c'est des vents d'ouest. Tout le long. Nickel. D'accord. Ok, donc c'est des vents d'ouest tout le long. Bah, c'est parfait. Weather data. Hop, on va s'arrêter là. Je vais céder mon front park. Hop, voilà. Je vais démarrer mes moteurs. Démarrage 2. C'est parfait. Hop. Alors sur des vols comme ça, faut être extrêmement serein. D'accord? C'est la règle. Et donc une fois que vos moteurs vont démarrer, vous demandez le taxi. Donc on est à Zurich et demain donc on fera la rotation retour. Là, vous n'aurez pas le film retour, malheureusement. Enfin, on verra comment ça va se passer. On verra si on a du contrôle aérien. Je l'espère. Mais loin d'être sûr, je ne préfère pas m'engager à vous dire les désinformations qui ne pourront ne pas être vérifiées et vérifiables. Mais j'essaierai de me renseigner pendant la nuit. C'est fait. Hop. Mes moteurs sont démarrés. Je vais éteindre l'APU. Parce que ça, faut éviter de consommer. Delivery speed 1787, ready for taxi for the runway 32. Speedbird 1787, taxi on route runway 32 via hotel. 32 via hotel, speed 1787. Alors, on nous dit les hydrauliques, il y a un problème, faut que j'y vérifie. Clac, clac, oui, qu'est-ce qui se passe? Ah, Discord, on me dit que j'ai sauté. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça va revenir. Singapore 345, heavy, ready for taxi. Singapore 345, taxi on point, runway 32, via Charlie and Kilo. Following point for 32 via Charlie and Kilo, Singapore 345. Speedbird 1787, contact tower. Contact tower, 118 decimal 1, thank you Sam, good evening, good night. Alors Discord, ça y est, je viens de retrouver Discord à l'instant. Alors, c'est parfait. Et on va rouler. Zurich Toller, good evening. Speed 1787 approaching Spotmice 32 Hotel. Revert 1787 Tower, good evening, line up runway 32. Nope, 32, speed 1787.
Zurich to us, speed 1787, just for information, they are Boeing 747 to, in the front of me, to the taxis 1832. Yeah, I see that, and sir, it's not on my frequency. Then hold short 1832. Hold short 1832, thank you. Good evening, Singapore 345, how are you with you? Singapore 345, tower, hello, line up runway 32. Line up 32, Singapore 345. Civet 716, hold short of taxiway Echo, contact apron 121.750. Hold short of Echo, contact apron 121.750, good evening. Alors, normalement, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais là, on le reverra en image. Mais le Singapour, vous avez vu ce qu'il a fait? Alors, ça, c'est extrêmement dangereux en tant que contrôleur tour. Il faut quand même vérifier ce qui se passe. C'est quand même un minimum. Donc là, l'autre, il est en line-up. Singapour 345. Wind variable 2 knots, runway 32, clear takeoff. 32, clear takeoff to Singapore 345. Direct to us, people 1787 at Oldshot 32. Roger. People 1787, line up runway 32, departure in 2 minutes. Line up and wait 32, and departing 2 minutes, people 1787. Back in brake set. Singapore 345, not for a day. See available morning to Unicom 122.8. Enjoy. Oh, me too. Unicom 122.8. Good evening, Singapore 345. Thank you. Ok. Bah, c'est parfait ça. Ok. Tac. Donc au niveau de mon ACARS, on est bon, ouais. Donc on met le chronomètre à zéro. Come in crew, please prepare for takeoff. Thank you. Beaver 1787, wind variable 2 knots, runway 32, clear for takeoff. Clear takeoff, 32, Beaver 1787, thank you. Takeoff, power set.
80 knots, checked. Zero Tower, good evening, Swiss 14 Romeo Mike, apologies for the late call. We are short final for the RS on V28, correction 6 miles. This is 14 Romeo Mike, good evening, wind variable 2 knots from the 28 clears land. Runway 28 clears land, and there's a high chance we have to go around, it's looking really bad outside. Not sure. We'll see if come get up. Flaps 1, checked. Director speedbomb 1787 airborne, passing 2000. Speed 1787, no further agency available, Unicom 122 decimal 8. Goodbye. You're monitor Unicom 1228, good night. Autopilot on. Checked. And flaps up. Fletch. Any lights off, turn away, and taxi off. Hop, prochain point. Non, on va faire E-Raise. On va faire direct V8. Direct V8. V9 speed, checked. Ok, after takeoff checklist, landing up and flaps up. Et on passe sur l'Unicom. Voilà. Et tout ça, c'est bon, là, on est bon, Master Bright, ok, voilà, le Flood, ma lumière, voilà, et on est bon, et on se retrouve demain matin, donc, à Cape Town, comme il nous dit, donc, aux alentours de 9h, oula, aux alentours de 9h45, voilà, de matin, et après, donc, et en approche de Cape Town. On va faire une visuelle, parce que visiblement, le glide n'a pas voulu fonctionner. Autoland, glide slope, voilà, one main sight. Continue.
Et on a été éclairé par la tour. Oui, j'ai vu. J'ai vu, mais moi je me fie aux lumières, papy. Je sais. On est parfaitement établi. On arrive un peu de travers, mais on est bien. Mais c'est celle-là, c'est la 19. Et l'ended. Reverse. Diesel. Rollout. Et moins 228. Eh ben, je préfère. La prochaine droite, hein. Speedbird 178, seventh runway is vacate to the right. Speedbird 178, taxi stand Alpha 6 via Charlie Bravo main apron. Charlie Alpha apron Bravo, Speedbird 178, Alpha 6, thank you. Alors Charlie, à force suivre les indications panneau au sol. Alors, clac, 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 non, voilà, Alpha 6, sur Charlie Bravo. Et donc, Alpha 6... De toute façon, j'ai les marquages au sol. Donc ça, ça tombe très très bien. Alors, je vais m'arrêter. Je vais juste réduire un peu ma vitesse parce que... Voilà. Ok. Je sais. Je vais monter mes flaps d'ailleurs. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Cape Town. Il est actuellement 15h en heure locale et la température est de 16 degrés. Ladies and gentlemen, welcome to Cape Town. The local time is 3 p.m. afternoon. And the temperature is at 16 degrees. Welcome to Cape Town. I wish you a very pleasant afternoon. Alors, pardon, 35 minutes, dans l'autre sens. Ah oui, ma fille, il me fallait loin. Bon, ça, je peux le réenclencher. Ça, mes flight directeur, j'en ai plus besoin. Hop. Hop, j'en ai plus besoin. Donc Alpha 9, Alpha 8, et c'est la prochaine. PNC, dernier virage, merci.
Alpha 6. Et on a mis 10h50. Je vais un peu me serrer tout en faisant gaffe. Putain, ah ouais. C'est pas évident. Hein. Pour se garer. Faut pas taper la porte. Boeing 777, c'est encore en face. Alors, je vais juste me fier au bar. Hop, Alpha 6, c'est la bonne. Et bienvenue à Cape Town. Le front park. Hop, allez, voilà, ça. Menu, FS Action, Ground, Set. Ok, j'éteins mes moteurs et je vais prévenir la tour. Speedboat 178. Oups, ok, bon. Le gars s'est cassé avant même que j'arrive, c'est beau ça. Eh bien, bienvenue à Cape Town, j'espère que ça vous aura plu. Puis on se retrouve, quant à nous, eh bien, dans nos prochains épisodes. Alors, je vais pas non plus tout vous filmer parce que je me rends compte que voilà, c'est un peu long aussi de vous faire tous ces vols-là, ces events. Eh bien, quant à nous, on se retrouve très prochainement. Je vous souhaite une bonne après-midi. Salut tout le monde et bienvenue à Cape Town. Ciao.